Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait trois ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude, celle de maman était froide, celle de bébé était au coin. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Vers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh regardez, j'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien c'est ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des trois ours. Ouah, regardez par là, une table de nourriture. Super, parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, il y en a un. Hey, il y en a deux. Non, regardez, il y en a trois. La soupe de papa ours trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours j'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est sentie fatiguée et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Poser sa tête dorée. Le lit de papa ou semblait être trop dur. Le lit de maman ou semblait être trop doux. Le lit de bébé ou c'est le dernier au final. Voyons. Oh, oh oui. Ce lit est trop froid. Alors que Gaudy s'endort, chez eux, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. Laisse voir. Offre-moi. Ils les ont mangés. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé ours. Oh, laisse voir. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle. Nous sommes les trois ours. Tu as mangé
qu'elle n'était pas la bienvenue et les trois ours l'ont chassée de leur maison. Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon elle avait appris. Encore une fois la maison des ours était pleine de rire et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. L'histoire du lion et de la souris. Yeah! Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Un jour, il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra mon quartier. Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi. Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah. Des jours suivants, le lion était courait aussi vite. Il a marché sur un vieux fil. Les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corvées, travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'argent. Jack, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée.
mon garçon, tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel. Alors Jacques a vendu la vache à l'homme. Il mit les haricots dans sa main. Quand il est rentré chez lui pour montrer à sa mère, elle est très très en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Idiot de garçon, ces haricots ne font pas l'affaire. Maman était triste et Jacques aussi. Alors il jette les haricots dehors sur les. Camion de pompiers fait oui dans tout.
Dégagez les passages, s'il vous plaît, nous sommes en mission. Le klaxon du camion de pompiers fait bip bip bip. Fait bip bip bip. Fait bip bip bip. Le klaxon du camion de pompiers fait bip bip bip. Les chaînes du camion de pompiers montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent. Les chaînes du camion de pompiers montent et descendent dans toute la ville. Hey les enfants, regardez ça. Le tuyau du camion de pompiers fait spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Le tuyau du camion de pompiers fait spray, spray, spray. Dans toute la ville. Wow! 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 Les enfants sur le camion de pompiers disent waouh, waouh. Ok, on y va. Yeah! Woohoo! Yeah! La cloche du camion de pompiers fait ding ding ding, fait ding ding ding, fait ding ding ding. La cloche du camion de pompiers fait ding 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 dans toute la ville. Ok, les enfants. Chantons encore une fois avant de rentrer tous à la maison. Les roues du camion de pompiers tournent, 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 tournent. Les roues du camion de pompiers tournent, tournent dans toute la ville. Merci à tous les pompiers. Waouh, c'est vraiment génial. Je voudrais être un pompier quand je serai grand. Moi aussi. Hey, qu'est-ce qui se passe, Nathan? Pourquoi tu es silencieux aujourd'hui? Eh bien, certains des enfants à l'école se moquaient de moi. Ils m'appelaient Humpty Dumpty. Vous savez quand je tombe parfois lorsque je joue au football? Ne t'inquiète pas, Nathan. On te rattrapera lorsque tu tomberas. Voilà à quoi ça sert, les amis. Ah, bien sûr! On va te remonter le moral. Que disent les enfants à l'école sur toi? Eh bien, laissez-moi le chanter pour vous. Humpty Dumpty assis sur le mur, Humpty Dumpty a fait une chute. Tous les chevaux et les hommes du roi n'arrivent pas à le mettre tout droit. Pauvre Nathan, ce n'est pas très agréable. Eh bien, garde la tête haute. Je sais comment rendre cette chanson un peu plus joyeuse pour toi. Humpty Dumpty assis sur le mur, Humpty Dumpty a fait une chute. Toute sa famille et tous ses amis l'ont aidé enfin à se relever. J'espère que tu te sens mieux. Humpty Dumpty assis sur le mur, Humpty Dumpty a fait une chute. Toute sa famille et tous ses amis l'ont aidé enfin à se relever. Oh gee, merci Carole, c'est tellement gentil. On est tes amis, on sera là toujours pour toi. C'est vrai. N'écoute pas les enfants à l'école. Nous t'aimons comme tu es. Laisse-moi chanter une chanson pour toi. Humpty Dumpty assis sur une chaise, Humpty Dumpty a fait une chute. Toutes les filles et tous les garçons le soulèvent vers le haut en faisant beaucoup de bruit. Je me sens tellement mieux maintenant. Merci. Chantons-le tous ensemble. N'oublie pas, nous serons toujours tes amis. Humpty Dumpty s'est assis sur le mur. Cette fois, Humpty n'est pas tombé. Grâce à ses amis, il était plus prudent. Et du mur, il n'est jamais retombé. Merci.
Merci les amis. Humpty Dump s'est assis sur le mur. Cette fois Humpty n'est pas tombé. Grâce à ses amis il était plus prudent. Et du mur il n'est jamais retombé. Hey buddies, jouons à un jeu de j'espionne. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un super jeu amusant. On va vous montrer. Oh oui, je vais commencer. Regardez et apprenez. J'espionne, j'espionne, j'espionne avec mon petit œil. J'espionne, j'espionne, quelque chose commençant par B. Quelque chose commençant par B. Quelque chose commençant par B. B, laissez-moi penser. Est-ce que c'est quelque chose que vous buvez? Regardez en haut, regardez en bas. Peut-être quelque chose que vous lancez. Oh, je sais. B pour balle. B, A, L, B pour balle, yo. C'est vrai, Nico. Tu as bien deviné. C'est ton tour. Ok. J'espionne, j'espionne, j'espionne avec mon petit œil. J'espionne, j'espionne. Quelque chose commençant par V. Quelque chose commençant par V. Quelque chose commençant par V. Laisse-moi voir, cela peut être n'importe quoi autour de moi. Regardez à gauche, regardez à droite, regardez tout ce qui est en vue. Je sais. V, c'est pour la vague. V-A-G-U-E-V, c'est pour la vague, oui. C'était amusant. Hey Carole, maintenant que tu sais comment jouer, essaye. Oui, c'est parti. Laissez-moi deviner, je vais gagner ce tour. Oh oui, regardez par là, regardez par ici. Peut-être à côté, peut-être loin. Oh, je sais. S comme sable. S-A-B-L-E. S comme sable sous vos pieds. Oh, oh, j'en ai encore un. Et je sais que vous allez adorer celui-là. Quelque chose commençant par G. G. Oh mon Dieu, est-ce que c'est quelque chose dans le ciel? Regardez vers le nord, regardez vers le sud. C'est quelque chose qui va dans ta bouche. Oh, je sais. G pour glace. Vous criez, je crie. Nous crions tous pour la glace. Allons en chercher. La pause est terminée, les enfants. Jouer dehors, c'était tellement amusant aujourd'hui. Allons-y. Avant de retourner en classe, il est très important de se frotter fort les mains. Mais pourquoi? Laissez-moi vous dire. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres et laver, c'est intelligent. Quand on joue dehors, tous en plein air, nous devons pas oublier, les germes sont partout. On ne peut pas toujours les voir, ils aiment se cacher. On doit les laver quand nous rentrons chez nous. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Quand on ramasse les ordures tombées par terre, nous devons laver les mains et bien les frotter. Quand nous aurons fini dans la salle de bain, nous devons pas oublier de chanter cette chanson. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Au revoir, professeur. Merci. Au revoir. N'oubliez pas,
Continuez à vous laver les mains. Hé, les enfants, vous êtes bientôt prêts? N'oubliez pas de laver les mains. Quand tu marches vers l'école ou si tu prends le bus, nous devons pas oublier, les germes sont partout. Ils peuvent nous rendre malades, il faut faire attention. Ces petits microbes dégoûtants peuvent être partout. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Si nous avons bien joué avec le chien, se dire qu'il est peut-être sale de sa promenade. Si nous utilisons les mains pour la poterie, avant de dîner, on va devoir se les frotter. Lavez, lavez, lavez vos mains, enlevez toute la saleté. Les garder toujours propres, les laver, c'est intelligent. Savon, eau, bulle, rinçage. Savon, eau, bulle, rinçage. Le dîner est prêt. Super, j'ai trop faim. Et nos mains n'auront jamais été aussi propres. Merci de nous emmener en excursion aujourd'hui, professeur. Où allons-nous aujourd'hui? Eh bien, cela dépend. Rappelez-vous ce que nous avons appris en classe au sujet du fait de dire oui à de nouvelles idées passionnantes? Oh, yeah! Eh bien, tu aimerais apprendre une danse? Oui, oui, oui! Tu aimerais visiter la France? Oui, oui, oui! Tu aimerais faire du vélo? Oui, oui, oui! Tu aimerais partir en rando? Oui, oui! Dire oui, c'est marrant! Oh, super! On construit une cabane? Oui, oui, oui! On nourrit une souris affamée? Oui, oui, oui! Allons faire un petit tour en voiture? Oui, oui, oui! On se donne tous la main? Oui, oui! Dire oui à de nouvelles choses, dire oui c'est vraiment très cool. Dire oui est pour nous le meilleur, et puis le OUI. Oui, oui à la positivité, oui aux enfants comme toi et moi. Oui à tout ce que nous voyons, oui à la liberté, oui! Oh là là, c'est génial! Dire oui me fait sentir heureuse! Nous allons patiner sur la glace? Oui, oui, oui! Et n'oublions pas d'être gentils! Oui, oui, oui! On va planter un arbre? Oui, oui, oui! On va boire une tasse de thé? Oui, oui! On pourrait faire de l'artisanat. Oui, oui, oui! On pourrait naviguer sur un radeau. Oui, oui, oui! On pourrait faire un petit gâteau. Oui, oui, oui! On pourrait même charmer un serpent. Oui, oui! Dire oui à de nouvelles choses, dire oui c'est vraiment très cool. Dire oui est pour nous le meilleur, et puis le OUI. Oui, oui à la positivité, oui aux enfants comme toi et moi. Oui à tout ce que nous voyons, oui à la liberté, oui! Eh bien, vu que vous vous amusez bien à dire oui, continuons d'essayer de faire autant d'aventures que possible. Wow! Voulez-vous faire un poème? Oui, oui, oui! Avant de rentrer chez vous? Oui, oui, oui! Tu veux balancer un yo-yo? Oui, oui, oui! Prendre en groupe une photo? Oui, oui! Dire oui à de nouvelles choses, dire oui c'est vraiment très cool. Dire oui est pour nous le meilleur, et puis le OUI. Oui, oui à la positivité, oui aux enfants comme toi et moi. Oui à tout ce que nous voyons, oui à la liberté, oui. Le parc des crèmes glacées est finalement ouvert. Le chocolat est le seul pour moi.
Qu'est-ce que nous aimons manger? La crème glacée, la crème glacée. Quelle friandise nous aimons? La crème glacée, oui. Moi, j'aime les cookies. Si tu veux que ça dure, mange-le doucement. C'est délicieux, crémeux. Les cookies font rêver. Le cookie est le seul pour moi. Quel parfum est-il le meilleur? La crème glacée, la crème glacée. Le meilleur parfum que le reste. La crème glacée, oui. Moi, menthe au chocolat. Explosion de saveur comme une fusée. C'est croustillant, sucré, c'est imbattable. Menthe au chocolat, le seul pour moi. Qu'est-ce que nous aimons manger? La crème glacée, la crème glacée. Quelle friandise nous aimons? La crème glacée, oui. Moi, j'aime la vanille, garnie de quelques yummy bananas. Certaines personnes n'aiment pas, mais moi je me plains pas. La vanille est la seule pour moi. Quel parfum est le meilleur? La crème glacée, la crème glacée. Le meilleur parfum que le reste. Thank you.
les jumeaux, chérie. Il est temps de faire une sieste. Que diriez-vous d'une berceuse? Yeah! Oups! Désolée! Chut! Un jour, quand je serai vraiment grande, je vais être maman aussi et avoir mon propre petit bébé à qui chanter. Moi aussi! Pour l'instant, vous pouvez m'aider à vous entraîner à être de bonne maman. Peut-être que si nous chantons, pour endormir les jumeaux, nous les aiderons à faire de beaux petits rêves. Chut, petit bébé, ne dites pas un mot. Maman va vous acheter un oiseau moqueur. Si cet oiseau moqueur ne chante pas, maman va vous acheter une bague en diamant. Et si cette bague en diamant devient du cuivre, maman va vous acheter un joli miroir. C'était tellement beau. Regarde, ils ont tellement sommeil. Ouais, on peut chanter pour eux, maman? Oui, bien sûr. Chut, petit bébé, ne dites pas un mot. Maman va vous acheter un oiseau moqueur. Si cet oiseau moqueur ne chante pas, maman va vous acheter une bague en diamant. Maman t'achètera un joli miroir. Maman va vous montrer des souris qui dansent. Si les souris qui dansent s'enfuient déjà, maman vous dira que ce n'est pas si grave. Chut, petit jumeau, maman va vous jouer du violon. Si ce violon ne veut pas jouer, maman va vous montrer la voie lactée. Si cette voie lactée brille encore très fort, elle va briller encore pour la nuit. Que je chante cette jolie berceuse. Quand vous vous réveillerez, je serai là, juste à côté de vous, sans jamais avoir peur. Oh, bonne nuit, petit bébé. C'était une bonne nuit de sommeil. Oui, c'était une super nuit de pyjama. Yeah, il est quelle heure au fait? Oh oh, il est 8h30 et... L'école commence à 9h. Oh, les
les amis. Nous ferions mieux de nous préparer à partir. Vite! Je sais! Suivons le leader. Comme ça, on pourra se préparer plus rapidement. Bonne idée! Alors, copie et regarde ce que je fais. C'est comme ça que nous faisons nos lits, faisons nos lits, faisons nos lits. C'est comme ça que nous faisons nos lits, si tôt le matin. C'est comme ça que nous faisons nos lits, faisons nos lits, faisons nos lits. C'est comme ça que nous faisons nos lits, si tôt le matin. Ok les amis, bon travail. Les lits sont faits. Et après? Oh oh, je sais, il est temps de se faire une toilette. Waha! Suivez-moi. C'est comme ça qu'on se lave le visage, le visage, le visage. C'est comme ça qu'on se lave le visage, sitôt le matin. C'est comme ça qu'on se lave le visage, le visage, le visage. C'est comme ça qu'on se lave le visage, sitôt le matin. Hey, regardez-moi! C'est comme ça qu'on se brosse les dents, brosse les dents, brosse les dents. C'est comme ça qu'on se brosse les dents, sitôt le matin. C'est comme ça qu'on se brosse les dents, brosse les dents, brosse les dents. C'est comme ça qu'on se brosse les dents, sitôt le matin. Ok les amis, nos dents ont l'air beaucoup plus blanches. C'est amusant, mais on doit continuer à se dépêcher si on veut prendre le bus scolaire. C'est ça, suivez-moi. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux, coiffe nos cheveux, coiffe nos cheveux. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux, sitôt le matin. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux, coiffe nos cheveux, coiffe nos cheveux. C'est comme ça qu'on coiffe nos cheveux, sitôt le matin. Hey, regardez-moi! C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, nos chaussures, nos chaussures. C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, sitôt le matin. C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, nos chaussures, nos chaussures. C'est ainsi que nous nouons nos chaussures, sitôt le matin. Wouh! Ladies! Go les amis, vos petits! Hey, n'oubliez pas votre petit déjeuner. C'est comme ça qu'on va tous à l'école, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va tous à l'école, sitôt le matin. C'est comme ça qu'on va tous à l'école, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va tous à l'école, sitôt le matin. Ok tout le monde, faites vos bagages. Nous partons pour un voyage dans l'espace. C'est un petit pas pour l'homme. Génial. Hourra. 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes les planètes, planètes, vivant dans l'espace. Chacun de nous est différent, un visage rayonnant. Nous sommes les planètes, planètes. Comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Mercure et regarde-moi, je suis le plus proche du soleil. Je n'ai pas de lune, mais je suis plus rapide que tout le monde. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Vénus, aussi connue sous le nom de l'étoile du soir ou du matin. Je suis à 7000 miles, ce n'est vraiment pas loin. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis la Terre, tu me connais mieux, je suis juste sous tes pieds. Tu marches autour de moi tous les jours, je suis vraiment très chouette. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Mars, gars, je suis rouge, des cratères de la tête aux pieds. Je suis couvert de volcans, j'espère qu'ils n'explosent jamais. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Jupiter, la plus grande et plus forte que toutes les autres. Je suis faite de gaz et ils se demandent si je m'amuse comme une folle. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Saturne, regarde ça, tu aimes mes anneaux? Tu peux me voir avec un télescope et si vous aimez ce genre de choses. Nous sommes les planètes, planètes,
Les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Je suis Neptune, si je peux me permettre. Je suis la plus éloignée du soleil. Je suis aussi bleue et gazeuse. Je suppose que je suis tout à fait nous comme toi. Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, laquelle es-tu? Nous sommes les planètes, planètes, comment allez-vous? Grande planète, petite planète, maintenant nous vous connaissons tous. C'est l'heure de nager dans la piscine. Jouer avec les requins, ils sont si gentils. J'aimerais que les requins dans la mer soient ici pour nager avec moi. Regardez là-bas, qu'est-ce que nous voyons? Une aventure magique en plein dans la mer. C'est une famille de requins. Avec une famille de requins. Impressionnant. Nous aussi.
oiseaux. Bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Bienvenue au zoo. Bienvenue au zoo. Écoutez le son qu'ils font, des grands et des petits aussi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. Sage, si funky, sage, si funky, sage, si funky, sage, si funky. Bienvenue au zoo, bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. Écoutez le rugissement, écoutez le rugissement, écoutez le rugissement. Bienvenue au zoo, bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. L'éléphant est plus grand qu'une maison, mais il a toujours peur d'une petite souris. Bienvenue au zoo, bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Filles et garçons, faites du bruit. Filles et garçons, faites du bruit. Hey, le phoque. Phoque, phoque, se passe-t-il? Phoque, phoque, se passe-t-il? Phoque, phoque, se passe-t-il? Phoque, phoque, se passe-t-il? Bienvenue au zoo. Bienvenue au zoo. Allons trouver les animaux amusants pour toi et moi. Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des trois petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. Trois petits cochons. Trois petits cochons. Trois petits cochons décident de construire une maison. Cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouvera et construit sa maison en un temps record. Foin, 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 je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, 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 je vais construire ma maison avec du bois. Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Brique, 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 je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparu. Alors dans leur maison, les cochons ont disparu. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! Oh! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh!
cochon a allumé le feu. Oh oui! Sors d'ici, méchant loup! Trois petits cochons, trois petits cochons vivaient dans une maison en briques! Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Tu ne trouves pas d'idée pour ta peinture? Pas beaucoup. Eh bien, il suffit de regarder autour de soi pour voir que le monde est plein de couleurs. C'est vrai, des couleurs pour inspirer ta peinture. Les couleurs, connais-tu les couleurs? Les couleurs tout autour de toi. Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Quelle est ta couleur préférée, Nico? Bleu, comme le ciel au-dessus, le fond de l'océan. C'est ce que j'aime, les myrtilles qui poussent dans les arbres. N'oubliez pas mon jean préféré, je ne sais pas pour vous, mais j'adore le bleu. Les couleurs, connais-tu les couleurs tout autour de toi? Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Hey, regarde ça! Rouge, comme un camion de pompier, une pomme à manger, un cœur à aimer, une grosse fraise et une rose. Mes amis, ma famille, ils savent tous, tout comme le chapeau sur ma tête, j'aime le rouge! Les couleurs, connais-tu les couleurs tout autour de toi? Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Waouh, tant d'inspiration! Je vais vous dire ma couleur préférée, les gars. Vert, comme une carapace de tortue, l'herbe et les feuilles. Oh, vous ne pouvez pas dire. J'aime les alligators et les cactus, un petit lézard. Connais-tu les couleurs tout autour de toi? Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Connais-tu les couleurs tout autour de toi? Les couleurs, toutes les couleurs du monde. Merci les gars, maintenant j'ai tellement d'idées pour mon tableau. Yeah, ce sera un chef-d'œuvre. Petit
t'attend sur le lit. Cinq petits bébés requins, cinq petits bébés requins, cinq petits bébés requins, bébés requins. Trois petits bébés requins sautant sur le lit. Un est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de bébés sautant sur le lit. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de bébés sautant sur le lit.